Au Burkina Faso, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 août 2024 en session ordinaire, sous la présidence effective de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Lors de cette séance, plusieurs rapports cruciaux pour la gestion de la transition ont été examinés et adoptés. Tout d'abord, au titre de la présidence, le Conseil a adopté un avant-projet de loi constitutionnelle visant à réviser la Constitution. Sur ce point, le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a fourni plus de détails. Le Conseil a adopté un projet de loi constitutionnelle qui porte révision de la Constitution en deux dispositions. L'article 34 de la Constitution et son article 147. En ce qui concerne l'article 34 de la Constitution, c'est précisément son alignement. 4 euh, qui sera modifié et dont le projet qui a été adopté consacre. Il s'agit de la devise de notre pays qui est consacrée en cet alinéa 4 de l'article 34 de notre Constitution qui dispose que la devise est unité, progrès, justice. Le projet de loi constitutionnelle qui a été adopté euh, vise à modifier cette disposition et consacrer dorénavant... La patrie ou la mort nous vaincrons, comme devise de notre pays. En rappel, c'est par ordonnance du 2 août 1984 que la patrie ou la mort a été instituée comme devise de notre pays. Et la Constitution du 2 juin 1991 a effectivement consacré cette devise comme étant la devise de notre pays. C'est par la loi du 27 janvier 1997. Que cette devise a été changée à unité, progrès, justice. Et si vous constatez dans les discours officiels, et lorsqu'il est question de faire appel au sentiment patriotique et de faire revivre la flamme de l'engagement citoyen qui constate l'acceptation du citoyen burkinabé au sacrifice suprême pour la patrie, il est fait appel à la formule la patrie ou la mort nous vaincrons Donc ces changements visent à renforcer le sentiment patriotique d'une part, a fait revivre la flamme de l'engagement citoyen, cette même flamme qui éclaire la marche du peuple vers l'horizon du bonheur. La deuxième modification consacre la modification de l'article 147 qui disposait que les accords qui consacrent une fédération, une confédération ou l'entrée du Burkina Faso dans une union d'État. Au plan africain ne pouvait être approuvé que par le seul référendum du peuple tout en maintenant bien entendu euh, l'approbation par référendum du peuple parce que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce il a été nécessaire d'y adjoindre un alinéa qui permet en fonction des circonstances de l'urgence et des cas de force majeure et après avis du Conseil constitutionnel de bien vouloir y procéder c'est-à-dire à, à l'approbation de ces accords qui consacre une fédération ou une confédération par la voie législative. Il s'agit effectivement d'une adaptation parce que effectivement la voie du peuple est la meilleure, mais il est nécessaire de trouver aussi une ouverture pour mieux s'adapter aux situations que nous vivons. Voilà un peu la substance de ce projet qui a été adopté et qui va être bientôt transmis à l'Assemblée législative des transitions et soumis, bien entendu, au vote des députés de l'Assemblée législative de transition. Ensuite, pour le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a approuvé un décret autorisant le recrutement d'interprètes traducteurs pour le ministère des Affaires étrangères au titre de l'année 2024. Les explications du ministre d'État, Bassol Mabazé. Le Conseil des ministres a autorisé au compte de l'année 2024 au profit du ministère des Affaires étrangères de la Coopération régionale, le recrutement de 11 euh, traducteurs-interprètes. Il faut dire qu'au niveau du bureau euh, des interprètes-traducteurs, euh, le point a été fait. Et nous nous sommes retrouvés à une situation actualisée à 16 interprètes-traducteurs. Vous savez très bien la place qu'occupent la diplomatie et les relations internationales avec le fait de redimensionner notre partenariat en tenant compte de nouveaux partenaires, parce que le point actuel nous limitait essentiellement à trois langues, à savoir l'arabe, l'anglais, l'espagnol, en termes de traduction. Mais la réorientation actuelle de notre partenariat nous amène sur le terrain à envisager la prise en compte de sept langues. Et au niveau de ces sept langues, vous allez voir, il y a l'anglais. Il y a l'espagnol, il y a le turc, il y a le russe, il y a l'italien, pour tenir compte de ces nouveaux partenaires au niveau desquels nous voulons renforcer cette question de partenariat en termes d'échanges internationaux et en relations diplomatiques. Et il faut dire que ce sont des interprètes traducteurs qui n'auront plus besoin de repartir. À l'école. Donc, il n'y aura pas une formation de base nouvelle, mais tout de même, il y aura une formation limitée autour de trois mois pour tenir compte de la question de la déontologie de la fonction publique, de la question de l'éthique de la fonction publique, mais aussi de la formation militaire. Vous savez très bien qu'un interprète, un traducteur, qui sera aux côtés de hautes personnalités de l'État et qui aura accès à un certain niveau de documents, de langage et même de secrets défense si je peux m'exprimer ainsi, Et donc, il y a nécessité de prendre en compte dans leur formation les exigences de l'information, les exigences militaires, les exigences de renseignement pour leur permettre de comprendre que toute information dans la traduction, l'interprétariat, ne doit pas se retrouver sur la place publique ou dans des débits de boissons. Donc, leur formation prendra en compte l'ensemble de ces éléments. Donc, ça, nous ferons en sorte que ça ne dépasse pas les trois mois pour qu'il n'y ait pas un impact catégoriel eh, au niveau de l'évolution professionnelle de ceux qui seront recrutés. Donc, ils seront limités au nombre de 11 pour cette année en tenant compte de l'impact budgétaire. L'impact budgétaire qui est estimé eh, au terme salarial à 39 108 280 francs eh, de façon annuelle en termes d'impact salarial. Et le dernier élément, c'est vrai qu'il y a 39 millions qui seront déboursés au niveau de leur salaire, mais il y a aussi eh, des entrées d'argent qu'ils font au niveau de cette traduction et interpr euh, interprétation. Il est estimé, par exemple, en 2023, autour de 37 707 400 francs CFA. Donc, il y a des entrées euh, financières, même s'il si y aura l'impact salarial qu'il faut euh, prendre en compte. Au titre des ministères de l'économie et des finances, ainsi que de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, le Conseil a adopté deux rapports. Le premier concerne l'érection de l'Agence d'information du Burkina, AIB, en un établissement public de l'État à caractère administratif, tandis que le second approuve les statuts particuliers de cette nouvelle structure. Il est important de rappeler que l'Agence d'information du Burkina a été créée en mai 1964 sous le nom d'Agence Voltaïque de Presse. À l'époque, elle jouissait déjà de la personnalité morale et d'une certaine autonomie financière. Au fil des années, cette agence a évolué et est devenue l'agence d'information du Burkina sous la Révolution. Cependant, en 1999, l'AIB a été réduite à une simple direction au sein des éditions Sidoya, ce qui l'a empêché d'assumer pleinement son rôle de grossiste de l'information et de média des médias. Le Conseil des ministres d'aujourd'hui a donc décidé de transformer l'agence d'information du Burkina en un établissement public de l'État à caractère administratif. Cette décision vise à lui donner les moyens nécessaires pour remplir efficacement sa mission de collecte, de traitement et de diffusion d'une information fiable et professionnelle au service des institutions, des médias et des citoyens. Cette initiative revêt une importance particulière dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme et d'affirmation de la souveraineté du Burkina Faso, où une information équilibrée et professionnelle est cruciale. Voilà ce qu'il faut retenir des décisions majeures prises lors de ce Conseil des ministres qui met en lumière les efforts du gouvernement burkinabé pour consolider les institutions clés du pays et renforcer l'appareil d'État dans un contexte de transition complexe et de défis sécuritaires persistants.